Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Et c'est bien donné dans la profondeur. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Le danger est écarté. On a cru à l'égalisation sur cette action, mais c'est le cadre qui renvoie. Ça se joue au millimètre. Ferland Mendy. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Spinazzola, la possession change de côté. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Ça joue avec De Bruyne. En direction de Bruno Guimaraes. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Mendy. C'est pour Van Dijk. Ouais, bien joué ça. Ah, ils font bien bouger le ballon pour étirer, allonger le bloc. Virgil van Dijk. Le ballon pour Ferland Mendy. Ça joue avec Aloué Ran. Passe coupée au bon moment. Bien joué. Saint-Maximin. Okocha. JJ Okocha. Et perte de balle. Ça aurait pu être évidemment évité. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et ça joue avec Moussa Diaby. Et avec maintenant Mendy. Yaya Touré avec le ballon. Peigné d'air dans la surface. Goal ! Wissam Ben Yedder ! Et bien sûr, c'est ça ! Avec lui, le ballon est cajolé, choyé, chuchoté ! La perte de balle de Messi. C'est l'équipe visiteuse qui a la possession du ballon. Et même si la possession, c'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Et oui, pourquoi pas une bonne situation à venir encore. Ben Yedder avec la possession du ballon. Et ce ballon pour Vinicius. Et le sauvetage de Martinez. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. La réception de Ben Yedder. Ça continue avec Yaya Touré. Ah, ça joue avec Touré. Ça continue avec Aloué Ran. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Un match inédit. Beaucoup de buts. Le score est maintenant de 5-2. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Oh, il peut frapper là, Ben Yedder. Et le but est ça. Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. On va prendre du plaisir à suivre cette rencontre tous ensemble. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison.
Voilà la compo officielle pour cette équipe. Titulaire dans le but, Neto. Ricardo Carvalho avec Nedley King en défense centrale. Zidane sera avec Tielemans au milieu de terrain. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. C'est une interception réussie en pleine surface. Et un œil sur la composition de cette formation. Geronimo Rulli dans le but. Davinson Sanchez avec Van Dijk en défense centrale. Et donc pour finir, cette formation avec deux éléments offensifs. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. Bon pressing, très bonne récupération. Et voilà le joueur dont tout le monde parle, celui qu'on va suivre attentivement, c'est Garrincha. Son rôle dans l'équipe, il est essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleurs ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donnes et ensemble, on devient meilleur. Le ballon sort en touche. Et on va donc assister à un triple changement dans cette équipe. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Attention à la passe dangereuse de Ben Yedder. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Garrincha, est sobre mais efficace, super intervention. Yaya Touré. Vinicius reçoit le ballon. Vinicius. Et il avance, Vinicius. Ça joue avec Aloe Iran. Oh, il peut frapper, il a Ben Yedder. Oh oui, ce but! Et ce but qui va faire du bien et qui permet maintenant de mettre leurs adversaires à deux longueurs. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ballon capté, aucune difficulté pour Rulli là-dessus. Yaya Touré, Castagne reçoit le ballon, Castagne, ouais, séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Le public qui voit son équipe courir après le ballon, et ça à domicile, ça ne plaît pas du tout. Le problème ce n'est pas le score, mais l'attitude. Et voilà une phase de construction très intéressante. Un ballon perdu, la possession change de camp. Mbappé. Zinedine Zidane. Le centre vers la surface. Goal ! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Virgil van Dijk. Le ballon pour Ferland Mendy.
Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Olé, belle technique là. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Yaya Touré. La passe vers Diaby. Le centre ne trouve pas sa cible. Et le ballon est dangereux, mais il sort finalement en corner. L'équipe essaye un corner à deux. Ça joue avec Aloué Ran. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Sortie en touche. La balle est interceptée. Ferland Mendy. Et encore, Moussa Diaby. Oh, il peut frapper, il a baigné d'air. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Allez, c'est joué court. Ballon pour Aloué Ran. Et ça repasse vers Vinicius. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Capdevila. Un bon contre à jouer peut-être. Et c'est bien défendu, sans faute. Virgil van Dijk. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ballon pour Nkunku. Un face-à-face à négocier. Et ça rentre. L'intervalle se creuse avec ce nouveau but. Ça fait deux longueurs d'avance. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Pépé. Ah, cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. 1 minute d'arrêt de jeu au minimum. Spinazzola. Vinicius reçoit le ballon. Et voilà le coup de sifflet. C'est la mi-temps au Parc des Princes. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ballon pour Spinazzola. Et ouais, maintenant Diaby. Et ça joue sur Vinicius. Ben Yedder dans la surface. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On récapitule, ça fait donc 4-1. Et il remporte son duel, bien défendu. Ce ballon aérien vers Vinicius. Ballon pour Aloué Ran.
La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Kylian Mbappé. Ça joue avec Pépé. Ah, il élimine son adversaire. Impeccable cette intervention. C'est l'équipe visiteuse qui a la possession du ballon et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Et ça joue avec Moussa Diaby. Qu'est-ce que c'est bien défendu! Ouais, faute et coup franc signalé par l'arbitre. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Eh oui, Sam Ben Yedder perd le ballon. Le ballon sort en touche. Capdevila. Bouffal reçoit le ballon. Ah, le centre versé partenaire en pleine surface de réparation. Et finalement, pas de danger. Et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Avec Moussa Diaby maintenant. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Très bonne intervention. Avec Kylian Mbappé. Ah, c'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. La récupération, Alexander Arnold. Elle est merveilleuse cette passe. Et voilà le but! Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Sortie en touche. Vinicius. Vinicius reçoit le ballon. Face à face avec le gardien. Très bien défendu là. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ribéry. Les Rebels se projettent bien vers l'avant. Oui, la frappe. Et oui! But, la remontada est en cours. Incroyable, on en est maintenant à 4 buts à 3. Le danger peut-être avec ce bon ballon.
Quelle intervention! Ribéry. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Voilà, c'est bien vu, la passe d'Mbappé. À la réception, Nkunku. Kovu. Ballon sur le poteau, ça continue! C'était la dernière chance, mais non, le cadre a refusé l'invitation. Ah, le geste technique pour éliminer l'adversaire. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Avec Kylian Mbappé. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, c'est incroyable, le but. L'égalisation après un retard. 2-3 buts, mais quel exploit! Bah, quel retournement de situation, c'est fort de recoller comme ça au score, mentalement, c'est une grande performance. 5 minutes à jouer et toujours ce score de parité. Et on passe par le côté. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes, l'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Et ça joue avec Moussa Diaby. Et maintenant, Yaya Touré. Très bon geste défensif. C'était risqué. Et pas de difficulté. Le gardien capte le ballon. Christopher Nkunku, il a du champ là sur le côté. Mbappé peut-être pour reprendre. Quel sauvetage ! Paradone ! Et au bout portant en plus. Extraordinaire ! L'équipe essaye de jouer en deux temps. Ça joue avec Sidney Govou. Tendu, à terre, le centre est pas mal. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin des matchs. Ballon pour Ledley King. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin des 90. Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette première prolongation. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Avec Kylian Mbappé. Voilà, son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans son petit musée personnel. C'est parfait. Un scénario invraisemblable. Le score est donc de 5 buts à 4. Ah, il faut tirer là. Magnifique intervention. Ah non, perdu par Ben Yedder, là, ce ballon. À la réception, Nkunku. Oui, le centre dans la surface. Et pourquoi pas ici. Une tentative de ballon piqué, mais malheureusement, ça passe au-dessus du but. Trop de rapidité et précipitation. Le geste est complètement manqué. Long ballon aérien, la défense se soulage. Vinicius avec le ballon. Le ballon est récupéré. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas nécessaire d'avoir souvent le ballon. Si tu marques à chaque fois que tu le récupères, ça suffit pour gagner un match. Et on le voit bien, leur objectif, ce n'est clairement pas la possession. Ah, le ballon traîne, attention! Ouais, ça n'ira pas plus loin.
Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. 1 minute en plus minimum. Et ça joue avec Moussa Diaby. Attention pour égaliser. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. C'est la fin de cette première mi-temps de la prolongation. Changement de côté. Et en... Tout le monde est prêt. Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ben Yedder avec la possession du ballon. Ah ouais, maintenant Diaby. Le ballon pour Ferland Mendy. Et le ballon tout droit vers le gardien, sans danger. Ah, c'est pour Alexander-Arnold. Et Govou maintenant. La balle est interceptée. Elle est merveilleuse cette passe. Excellent timing à la réception. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe, l'égalisation est ratée. Et quelle erreur, le ballon est rendu directement aux adversaires. Oh le but, mais oui, mais évidemment. Mais quelle erreur, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose et il reste encore des minutes à jouer. Perte de balle très dangereuse, attention! Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Spinazzola. Oh, et c'est bien servi. Oui, il y a un bon centre, attention. Et oui, but. Encore un. Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Ah, le jeu reprend et le score est désormais de 6 buts à 5. Quel scénario. C'est pas terminé. Tout est possible. C'est un match épique. Le temps additionnel sera donc un face-à-face à négocier. Ça joue avec Aloe Iran. Incroyable, c'est sauvé sur la ligne de but. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire. Zinedine Zidane, le centre vers la surface. Goal ! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction.